Je m'excuse. Salut, c'est Frangin Inc. J'espère que tu passes une belle journée. Je passe ça bon matin. Je m'excuse. J'ai bu une boisson qui s'appelle Pop Shopper, qui est des boissons avec beaucoup d'eau gazéifiée, à la bubble gum qui est incroyable, qui n'est pas supposé marcher mais qui marche. Gum ballon. Du bon vieux québécois. Aujourd'hui, on fait une autre vidéo sur Attack on Titan. On est parti là-dessus. On parle d'un personnage que j'aime beaucoup, pas un personnage qui mérite plus de reconnaissance. On a fait le personnage d'Ymir, qui était un personnage fantastique. Mais le personnage qu'on doit faire, c'est le personnage de Jean. Jean, qui est un personnage qui est détesté. Je pense qu'il n'y a personne qui aime Jean au début. Jean, c'est un trou de cul. Tu vois. Fait que Jean, c'est qui? Jean, c'est un étudiant qui fait partie de la branche de RM. Puis lui, il se dit, hey, je m'en fous, moi, je vais être le meilleur. Comme ça, je reste dedans les murs, puis je suis confortable, tu sais. On va vivre riche. La seule motivation de Jean, c'est de la paresse. La seule motivation de Jean, c'est d'être à l'intérieur des murs, puis de ne pas avoir à se battre. Ça le dérange pas de combien il est fort, il devient fort pour pas se battre. C'est incroyable. Là, Jean tombe en amour avec Mikasa. Puis Mikasa, elle aime pas, elle aime Eren. Fait que Jean, il devient comme ce antagoniste-là, mais pas nécessairement antagoniste. Il devient ce personnage-là qui est pas aimé et qui s'en fout des autres. T'sais. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est la bataille avec Eren. Eren qui le chicane puis qui le traite de lâche. Puis les deux, ils se battent. Fait que je trouve ça vraiment cool parce que, encore une fois, Jean. Ah, oh, dans ce cas-là. Puis c'est qu'est-ce qui est bon avec Attack on Titan, ça, qu'est-ce qui est vraiment magnifique. C'est que, techniquement, là, OK? On arrête d'être des fans, on arrête d'être des consommateurs d'Attack on Titan. On est dans le monde d'Attack on Titan. On est des paysans d'Attack on Titan. On est des personnages dans l'histoire d'Attack on Titan. On choisit quoi? La mort à l'intérieur des murs ou la sécurité en dehors des murs? Il y a beaucoup de monde qui va dire, hey, choisis la sécurité en dehors des murs. Il y en a qui vont dire, choisis dehors. Mais quand ça va venir le temps d'être choisi, c'est comme un exemple de la guerre. Le monde a peur d'être choisi aux aléatoires. C'est, ah, toi, tu vas te battre, toi, tu vas te battre, toi, tu vas te battre. Tu comprends? Le monde a peur de ça. Puis je pense que Jean, c'est l'idéologie normale. Je pense que Jean, oui, c'est un personnage qui est égocentrique. C'est un personnage qui est narcissique. C'est un personnage qui est lâche. C'est un peu heureux. Mais il y a beaucoup de monde qui serait comme lui dans cette situation-là. Puis Eren, malheureusement, dans ce cas-ci, Eren, c'est lui qui est un petit peu fou. Eren, lui, il est comme non, 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 on va se battre. On va se battre jusqu'à la fin, man. On va se battre jusqu'à tant que. Parce que je filme d'or aussi. Fait qu'on fait les deux en même temps. Je sais pas pourquoi t'as arrêté de filmer, là. Ah, je fais une erreur. Ok. Fait que, tu sais, Eren, c'est lui qui dit non, non, guys. On va aller à guerre, on va se battre, puis on va se faire tuer. Puis, qu'est-ce qui est cool avec ça? C'est que oui, à la fin, oui, ils ont une entente, ils ont une compréhension des titans qui fait qu'ils survivent beaucoup plus. Mais à saison 1, là, ils n'ont pas Eren comme titan, ils n'ont aucune arme contre les titans. Ils ont une intelligence qui est, ok, ben ici, c'est le senti, c'est le feeling qui est, c'est leur vulnérabilité, mais c'est tout. Ils n'ont pas les sphères de tonnerre, ils n'ont rien. Il y a une lampe de tonnerre. Puis qu'est-ce qui est beau avec ça, c'est que c'est Eren le méchant. Puis dans l'histoire de Shingeki no Titan, t'as ça. Puis la beauté de Jean, c'est pas nécessairement qui il est. La beauté de Jean, c'est qu'est-ce qu'il devient. Puis Jean devient un personnage qui est pas aimé, pas. Oh, j'ai 5% de batterie. 5% de batterie, c'est pas assez. Jean, le personnage qui est. Pourquoi on l'aime Jean autant que ça, hein? Parce qu'il devient un bon gars. Il devient un héros. Il comprend qu'il a plus que sa sécurité. Il est prêt à sacrifier pour les autres. Il devient un personnage qui n'est pas nécessairement un combattant incroyable. C'est pas un leader incroyable. Mais c'est quelqu'un qui tient à ses amis. C'est quelqu'un qui tient à son monde. C'est quelqu'un qui est extrêmement loyal malgré tout. Puis c'est vraiment beau. Puis le moment que Jean a changé, le moment que c'est que quand Marco, qui était un des 10 étudiants avec lui, il est mort, ils ont trouvé juste une de ses dents. Puis on dit, je sais pas si c'est à lui. C'est là que Jean a changé. Il a dit, nos vies ont tellement peu de valeur qu'il faut que je la vive, tu comprends? J'adore Jean. J'adore Jean. Tu vois malheureusement, tout le monde qui trippe sur Mikasa, sur Eren, sur Armin, mais il y a des gens comme Sacha, Jean, Connie, qui sont incroyables. Qui n'ont pas de reconnaissance, qui n'ont pas de l'amour qu'ils méritent. En tout cas,
Nous aussi là-dessus. Il commence à faire soleil pas mal. Puis j'allais en dedans. Je vous aime. Passez une belle journée. Passez une belle après-midi. Bye.